Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalité.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les sources de droit fiscales en vigueur au Canada. Il y a quatre sources de droit fiscal en vigueur au Canada et elles vous sont présentées dans le volume en ordre de force juridique, c'est-à-dire de la source de droit la plus forte juridiquement jusqu'à la moins forte. Concrètement, cela veut dire que lorsque nous cherchons une règle fiscale en vigueur pour une situation donnée, nous devons effectuer une recherche dans l'ensemble de ces sources de droit en respectant leur ordre de force juridique. Donc, bien sûr, toujours en commençant par étudier la source de droit la plus forte. Et en continuant nos recherches vers les sources de droit les moins fortes, si les premières sources de droit n'ont pas été concluantes. Alors, la première source de droit est constituée des textes législatifs et réglementaires. Donc, en contexte d'étude de, de la fiscalité, cela équivaut à l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu. Prenons un exemple imaginaire pour illustrer notre propos. Imaginons que nous sommes à préparer la déclaration de revenus d'une entreprise bien précise qui œuvre dans un secteur d'activité assez rare et pour lequel il est arrivé une transaction là, très particulière. Nous voulons savoir comment traiter cette transaction dans la déclaration de revenus du contribuable. Eh bien, face à cette situation, notre recherche devrait débuter dans la source de droit la plus forte, à savoir dans la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, il faudrait lire l'ensemble des textes de loi euh, ou, ou règlements qui accompagnent la loi de l'impôt sur le revenu pour voir s'il n'y aurait pas une position très claire déjà établie dans le, le texte de loi concernant la question que je tente de résoudre. Si c'est le cas et qu'un article de la loi de l'impôt est très précis et très clair quant au traitement fiscal qu que l'on doit appliquer à cette situation, ben, ma recherche se termine à ce moment-ci puisque la source de droit la plus forte pour moi a amené une réponse concluante. À contrario, s'il fallait que la première source de droit soit muette ou que je ne trouve pas ma réponse dans la loi de l'impôt, ce qui arrive fréquemment en pratique, conséquemment, c'est donc dire que la première source de droit est muette dans ma situation. Je devrais donc poursuivre mon étude en consultant la deuxième source de droit, soit la jurisprudence. La jurisprudence est une expression qui désigne l'ensemble des jugements passés qui ont été rendus par les tribunaux au Québec et au Canada. On parle ici de tribunaux pour la simple et bonne raison que notre système de droit fonctionne d'une manière que si un contribuable n'est pas d'accord avec l'application de la loi de l'impôt que l'Agence du revenu du Canada ou du Québec lui propose, rien n'empêche... Le contribuable ou l'Agence du revenu d'entamer une poursuite euh, face à l'autre partie devant les tribunaux. En matière de fiscalité, il existe trois tribunaux pouvant entendre des causes euh, en matière de fiscalité qui opposent un contribuable et l'Agence du revenu du Canada. Donc, en ordre, la première cour qui va entendre la cause en question est la Cour canadienne de l'impôt. Le juge qui siège en Cour canadienne de l'impôt va rendre son jugement. Dans un deuxième temps, c'est la la partie qui n'a eu gain de cause dans le jugement de, de la Cour canadienne de l'impôt pourrait demander que la cause soit entendue de nouveau en Cour d'appel fédérale. Euh, il y a des critères pour que la Cour d'appel fédérale, finalement, accepte d'entendre de, de nouveau la cause et de, de faire un nouveau procès. Lorsque ces critères-là sont satisfaits, c'est possible que la cause soit entendue de nouveau dans, une, dans la Cour de deuxième instance, qu'on appelle la Cour d'appel fédérale. Donc, la Cour d'appel fédérale va rendre jugement et, encore là, la partie qui n'a pas gain de cause dans ce jugement pourrait demander que la cause soit entendue par le plus haut tribunal du pays, qui est la Cour suprême du Canada. Encore là, la Cour suprême du Canada a des critères très stricts, à savoir quel genre de cause elle désire entendre. S'il fallait que la cause soit entendue en Cour suprême du Canada, bien, bien sûr, les, le jugement rendu par les juges de la Cour suprême du Canada serait un jugement final et sans appel, puisqu'il proviendrait du plus haut tribunal du pays. Aussi, en matière de droit, il faut savoir que les juges qui siègent à chacun de ces tribunaux se sentent liés par les jugements déjà rendus dans le passé par leurs confrères juges. Les juges eux-mêmes consultent la jurisprudence pour voir s'il y a un courant existant, si plusieurs juges dans le passé, face à des causes semblables, ont rendu des jugements euh, qui allaient tous dans le même sens. Et la plupart du temps, le, le juge qui est dans le présent va se sentir lié et va vouloir respecter le courant de jurisprudence pour, et, et va conséquemment, possiblement, rendre une décision qui irait dans le même sens que les décisions rendues par les juges dans le passé. C'est pour cette raison que nous considérons la jurisprudence comme étant une source de droit. Ainsi, même si ces positions ne sont pas inscrites comme des textes législatifs comme tels, malgré tout, si plusieurs juges ont euh, entériné un traitement fiscal dans une situation donnée et que aujourd'hui un contribuable veut entamer une poursuite exactement sur le même enjeu, il est fort à parier que le juge euh, d'aujourd'hui rendra une décision similaire à celle rendue par ses prédécesseurs. Ainsi, une bonne lecture de la jurisprudence indique les courants et les prises de position des juges dans le passé, et à quelque part peuvent éviter des nouveaux procès inutiles et à quelque part devenir une source de droit lorsque les textes législatifs sont muets sur une question. La troisième source de droit consiste en les positions administratives émises par l'Agence du Revenu du Canada. Donc, assurément, une source de droit plus faible que les deux précédentes. Il s'agit tout simplement du point de vue, de l'opinion de l'Agence du Revenu du Canada. Comme je le disais tout à l'heure, face à euh, un dilemme au niveau de l'interprétation d'une position euh, fiscale entre le contribuable et l'Agence du revenu du Canada, l'Agence du revenu du Canada rend public beaucoup de ses positions administratives sous forme de différents documents, des bulletins d'interprétation, des circulaires d'information et autres. Il s'agit là tout simplement du point de vue, de l'interprétation, de l'avis de l'Agence du revenu du Canada. Ces documents ne sont pas publiés par le ministère des Finances du Canada et ne constituent pas des textes de loi dûment légiférés. Il s'agit seulement de la position de l'Agence du Revenu du Canada. Le contribuable, lui aussi, peut avoir une position et si la position du contribuable est différente de celle de l'Agence du Revenu du Canada, il est possible, encore une fois, d'entamer de, une poursuite devant les tribunaux. Donc, vous comprenez que les positions administratives de l'ARC comme source de droit, c'est relativement faible, considérant qu'il ne s'agit de l'opinion que d'une de, de, des deux parties euh, dans, dans un dilemme. Finalement, la dernière source de droit, encore plus faible, c'est la littérature fiscale. Donc, advenant le cas où les trois premières sources de droit seraient muettes, où on ne trouverait aucune, aucun écrit ni dans les textes de loi, ni dans la jurisprudence, ni dans les positions administratives sur une question de fiscalité qui nous intéresse, le dernier recours, somme toute très faible, serait de se rabattre sur l'avis d'un expert. Donc, par exemple, aller lire des revues spécialisées, des livres d'auteurs, voir ce qu'un professeur d'université pense de cet enjeu-là. Donc, d'aller chercher l'opinion, finalement, d'une bon, personne bien pensante qui a une bonne réputation et de laquelle pourrait peut-être émaner une réponse, mais somme toute, faible, puisqu'il s'agit de la source de droit la plus faible.